mal et j'ai certainement des plans à vous présenter. Je vous prie. We are tired of the blood, tired of the fighting. They make some people drop their guns. But what is the guarantee? Tous les jours, les mamans pleurent. Les enfants meurent au lieu d'être à l'école. Have you stopped for a second to think about the food of our watching? Non, c'est bon. En fait, j'ai dit que je te fais signe après. Ok, bonsoir tout le monde. Oh, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Moi, ça va, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Je vous laisse écouter le son de AB. Déception. Salut Sanchez. Salut. Un vaillant combattant. J'ai l'occasion de te voir sur le terrain. Très courageux. Salut à toi. On est là. Je ne manque pas de saluer tous mes voyous. Un post, salut. Toi, tu me fais ça. Ok, arrête-toi. Bonsoir. Ben, comme vous le voyez, nous sommes obligés de faire le direct. Comme tout le monde, on attendait que ce soit vraiment aujourd'hui un événement. Vous savez que des artistes ont pendu des communiqués nous disant ouais, ils vont porter le deuil, ils vont tout faire pour mettre la pression pour que les choses puissent s'arranger au niveau du NOZO. Ben nous on a laissé, on a donné, on a en fait on s'est laissé quoi.
porté par ces dimensions. C'est d'ici les artistes, pour une fois, essaient de s'organiser. Surtout qu'après ce qu'ils ont vu au Nigeria, la mobilisation des artistes, on s'est dit pourquoi ne pas leur accorder une certaine crédibilité et laisser voir les choses. Donc c'est vrai que même si on était prudent, mais on se disait forcément il y a certains qui vont se mettre pour faire pousser les choses, pour faire bouger les lignes. Parce qu'on a vu, au moins au Nigeria, la mobilisation, comment ça s'est fait, comment les artistes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je tiens à vous rappeler, ça continue toujours, la pression continue, les artistes continuent à dénoncer non seulement la cessation des brutalités policières, mais de demander même finalement qu'il faut finir avec ce gouvernement. Et donc, nous, on se disait que cette indignation de nos frères du Nigeria devait montrer le chemin aux nôtres. Et de se dire finalement qu'il faut qu'ils utilisent de leur notoriété pour pouvoir imposer un climat de dialogue pour cette zone. Je suis littéralement déçu, comme la plupart des Camerounais qui sont déçus. Et ma première inquiétude, c'est que l'homme sur qui je croyais beaucoup, que je voyais qui était Salatiel d'ailleurs, qui a porté, bon, lui, je continue, hein, moi j'estime, je crois qu'il est porté par ce combat. Mais malheureusement, ce que je n'avais pas, je ne sais pas si je vais dire aimé ou bien apprécié, c'est que moi j'étais tellement pessimiste parce que lorsque j'ai vu la réunion, j'ai vu la plupart de certains des journalistes et tout, certains que je connais très bien qui sont des indiques de ce régime, j'ai compris que ça devait capoter, ça ne devait pas. Parce que s'il fallait croire à semblant de mobilisation, j'aurais cru à ceux du Douala avec Salatiel, etc. Mais la présence de certains qui sont venus, qui se sont accaparés du projet, j'ai compris que ça ne devait pas aboutir. Mais vous avez donc vu ceux de Yaoundé, Malos déjà, quelqu'un qui fait une sortie, qui sort, et qui s'insurge contre le peuple camerounais, qui ne le fera pas, et subitement, le même qui, dans ses propos, vraiment qui était très incompris, qui, ses propos dont on ne pouvait même pas... Vous avez écouté Malos, c'est sa première sortie, où il disait au peuple camerounais qu'il ne sortira pas, et etc. On ne comprenait même pas ce qu'il voulait dire. Il était incohérent et sans position. Mais du jour au lendemain, quelqu'un nous dit qu'il va s'organiser avec un collectif pour sortir. Ça nous a posé véritablement des questions. On s'est posé des questions sur la démarche de cet homme qui, dès sa première sortie, parce qu'il énonçait sa pensée, que lui, il ne veut pas se solidariser au peuple camerounais, le peuple camerounais écoute beaucoup plus les autres artistes, ou bien écoute les artistes d'ailleurs, on donne comme si c'est nous qui organisons. Mais sur la toile, il a vu que beaucoup l'ont lapidé, sur le plan médiatique, lui ont dit que sa sortie, vraiment, était déconnectée de la réalité, qu'il avait posé le problème autrement, autre, qu'on attendait. Parce que c'est pas nous, le peuple, qui... mais non, ou bien qui gèrent l'industrie de la musique au Cameroun, ont subi des conséquences, comme nous peuples nous subissons, eux aussi subissent les conséquences d'une politique culturelle non visible, une politique culturelle absente qui ne se soucie pas des artistes. Et vous aviez vu, la plupart du temps, quand les artistes sont en difficulté, c'est le même peuple qui se bat à cotiser, à envoyer des lettres, de créer une solidarité pour qu'on puisse soigner certains, qu'on puisse aider d'autres pour qu'ils ne meurent pas de manière très indigne. Mais malheureusement, il avait très mal posé le problème. Et ce sont des éléments qui nous ont questionnés, même sur la pertinence de l'homme, de savoir que est-ce qu'un tel homme, qui a déjà des préjugés, des prérequis contre son peuple, peut véritablement, effectivement, porter les aspirations profondes de ce peuple-là. Donc nous, on n'y croyait vraiment pas. Mais ils se sont dit qu'ils vont s'organiser et qu'ils vont utiliser de leur notoriété pour imposer le dialogue et demander que les choses puissent se faire. Donc ils vont organiser des mobilisations et tout ce qu'ils pourront pour se faire entendre. Déjà la première déception, moi j'ai un ami artiste avec qui j'ai causé, je ne vais pas donner le nom, qui m'appelle, qui me dit qu'il ne sera pas au truc organisé à Yaoundé. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais attends, les gars vont aller à Yaoundé, c'est dans une école, on a donné l'autorisation de le faire à l'école bien Saïssos, oui, d'aller faire le truc. Et moi, j'estime que c'était pas ça, à la base, en tant qu'artiste.
il faut qu'on manifeste, qu'on se mobilise, qu'on exprime notre ras-le-bol par rapport à cette guerre. Et donc, je dis, ah bon? Il me dit, mais oui, il y a un document qui circule par rapport à la manifestation qui a été accordée à Maroc. Je lui dis, ben, tu peux m'envoyer. Il m'envoie via WhatsApp. Je lis et vraiment, je me suis dit, mais où est-ce qu'on se retrouve finalement? On est finalement dans quel pays? Comment est-ce qu'on veut confiner les pleurs d'un peuple? Vous dites que vous voulez lever pour rendre hommage à ceux qui sont. Mais on vous donne une autorisation pour confiner vos pleurs dans un carré. On vous dit restez là-bas tranquillement. Et vous êtes très à l'aise parce que dans les coulisses, etc., vous ne voulez pas mettre en difficulté ceux qui gèrent la nation. Et on a vu, il n'est pas parti. J'ai vu, c'est aussi un artiste très connu. Il n'y était pas. D'ailleurs, il m'a dit qu'il ne partait pas. Il ne va pas associer son image à ça. Parce qu'il estime que le problème du Cameroun est tellement profond. Et aujourd'hui, nous, on attendait la véritable mobilisation. Que les artistes se mobilisent effectivement. Je me suis dit, bon, peut-être, on a donné la madeleine. Mais beaucoup, étant là-bas sur l'effet de masse, beaucoup vont dévier cette logique de rester de manière statique, faire un sitting, et manifester, etc. Ils vont peut-être dévier ça et manifester leur rabot. Donc nous, on croyait toujours. C'est pour ça que personnellement, moi j'ai évité de faire les directs avant de tirer parce que je me disais, bon, un sursaut de patriotisme peut-être va investir nos artistes et ils vont se dire, mais non, on ne peut pas confiner nos pleurs, on ne peut pas être renfermé dans un périmètre, un précaré, rester tranquille, dire qu'on va rendre hommage, il faut qu'on suscite un truc. Surtout que ça vient de l'idée du fait que les choses se sont faites par les artistes au Nigeria, donc forcément, ceux du Cameroun agiront. Vous avez vu le spectacle de défilé de mode sur la toile. Les artistes ont fait un défilé de mode avec la tenue des élèves habillés. Vous aviez vu la plupart de ces artistes sur la toile, des photos, des shootings qui étaient faits en nous faisant croire qu'ils sont en train de faire passer un message. Mais c'est triste parce que de plus en plus, ce qu'on doit remarquer, le problème de ce pays est tellement profond, est tellement difficile à comprendre. Et nous avons l'impression que les Camerounais qui ont une certaine visibilité, qui ont une certaine écoute dans notre société, font l'appréciation de la situation camerounaise à partir de leur situation personnelle, donc, c'est-à-dire une appréciation analogique. Donc la plupart de ces Camerounais, le fait qu'ils se sentent bien, le fait qu'ils profitent de ce système, se disent que le Cameroun va très bien, tout se passe comme on veut, il n'y a pas de problème, donc ça ne servira à rien de se présenter comme martyr ou bien de réclamer les revendications primaires de ce peuple-là, parce que nous avons nos satisfactions personnelles, donc on ne va pas se soucier des autres. Voilà un massacre qui se passe à Koumba, où on tue des enfants. On sait très bien, lorsqu'on a fait le diagnostic du problème anglophone, on sait quels sont les responsables jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne vais pas parler des responsables du crime. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans la situation de la crise anglophone, ce sont les conséquences d'une mauvaise politique qui nous amène à ça. Et ceux qui détiennent les manettes de la République, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 4 ans, ils savent quelle est la solution pour arrêter cette guerre. Mais ils refusent, je dis bien, ils refusent d'opter pour la solution du véritable dialogue pour qu'on arrête avec cette guerre, parce qu'ils estiment qu'en imposant un véritable dialogue inclusif, c'est-à-dire avec tous les acteurs de cette crise-là, tout, le régime de Yaoundé risque de perdre
une parcelle de son pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Depuis 4 ans, la politique du tourne en rond, depuis 4 ans, sans solutionner la question anglophone. Ils ont même fabriqué ou bien organisé un certain dialogue où la plupart des observateurs politiques et des analystes ont démontré que ce n'était pas véritablement un dialogue pour solutionner la question anglophone. C'est un dialogue qui voulait conforter la communauté internationale de démontrer que Paul Biya, c'est dans une certaine démarche d'ouverture. Donc c'était pour tromper la vigilance des partenaires. Ça n'a jamais été un dialogue pour aider à la sortie de cette crise. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Hein? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. On sait qu'est-ce qu'il faut faire pour que la guerre soit arrêtée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Mais ce qui me choque davantage, c'est que plus cette guerre perdure, on a finalement l'émergence de certains roublards dans cette crise anglophone qui utilisent les pleurs et les lamentations des populations pour se faire une place sous le soleil, pour se faire une plateforme financière, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et on va le démontrer, on va l'expliquer, et pour redorer son image sur le plan national et international. Donc c'est devenu du gros business. Et aujourd'hui, les artistes ont démontré que c'est du grand business qui est en marche. Pourquoi je l'explique ? Pourquoi je le dis que c'est du grand business ? Malors, vous le connaissez très bien. On le connaît par sa grande gueule. Quelqu'un qui a souvent démontré que lui dit ce qu'il pense. Je ne pense pas que Malox soit idiot. Malox, comme la plupart des Camerounais, est au courant du problème anglophone et connaît ce qui se passe. Que le problème anglophone, finalement, il faut une décision politique pour qu'on sorte de là. Mais si Malox s'est prononcé avec les autres artistes, mettre une plateforme sur pied. C'est parce que, comme premier indicateur, ils se sont rendus compte que les mouvements politiques, le régime en place, bon, quand je parle de mouvements politiques, il y a eu des propositions, hein, sur le plan politique, surtout l'opposition, il y a eu des propositions pour sortir de là. Mais si Malox et ses amis insistent de mettre une plateforme sur pied, c'est parce qu'ils se disent au jour d'aujourd'hui, avec les crimes et les massacres qui continuent, on n'a véritablement pas apporté la meilleure thérapie pour solutionner la crise anglophone. Donc du coup, ils se constituent comme acteurs de la scène politique, c'est-à-dire, s'il veut même l'appeler, se constituer de la société civile. Si on veut le dire, parce que il y a aussi cette imbécilité que les gens veulent nous faire croire en nous disant qu'ils sont apolitiques quand ils veulent se prononcer. Non, non, non. Il n'y a pas d'apolitique. Et j'aime toujours insister dessus que cette histoire d'apolitique, c'est une fiction juridique. Tous, nous sommes des animaux politiques. Ça, c'est clair. Nous sommes des animaux politiques, tous. Donc, qu'ils arrêtent avec cette histoire. Donc, lorsqu'ils décident de mettre une plateforme, ça veut dire qu'ils se constituent en tant que société civile. Donc, ils estiment que les politiques n'ont pas apporté des solutions sur la crise anglophone. Mais de par leur notoriété, de par d'être le champ de cette nation, ils estiment utiliser de leur notoriété pour faire pacifier le pays. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas seulement au Cameroun, ce n'est pas une exclusivité camerounaise. Ça s'est toujours fait partout. On a utilisé la diplomatie du football, la diplomatie de la musique, même pour solutionner les grands conflits dans le monde.
Il y a, l'histoire de l'humanité peut nous renseigner. Moi, je me rappelle avec la Corée du Nord, lorsque les États-Unis voulaient réchauffer les, en fait, voulaient réchauffer les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis, on a vu comment on a utilisé la légende du basket qui était chez Kylionier, etc., pour le présenter. Il y avait une diplomatie du basket qu'on a mis devant pour faire solutionner, pour faire réchauffer les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donc, ce n'est pas une originalité camerounaise. Mais puisqu'ils ont fait, ils sont organisés en tant que plateforme, c'est parce qu'ils se sont dit, les politiques ont raté, mais il faut agir. Il faut agir, amener finalement les politiques à prendre de véritables décisions et qu'on finisse avec ces guerres. Mais malheureusement, voilà quelqu'un qui sait très bien et qui s'est inspiré, parce que ça il faut le dire, qui s'est inspiré de la démarche des artistes nigériens. Qu'est-ce que les artistes nigériens ont fait? Lorsque les artistes nigériens ont compris, ont constaté que la population était maltraité, torturé et même abattu par les forces de sécurité qui ont pour charge de sécuriser non seulement les biens, mais les personnes. Ils se sont construits, ils n'ont même pas demandé, ils n'ont pas fait de demande. Ils se sont directement rongés dans les manifestations et dit aux autorités qu'on en a marre, on ne veut plus que vous tuez nos populations. Ils n'ont pas fait de deal. Et je tiens à vous rappeler, la plupart des stars nigériens que vous voyez, non seulement, n'ont pas seulement une dimension nationale, mais internationale, qui ont des affinités avec les membres du gouvernement. On connaît comment ça se passe là-bas. Mais qui ne se sont pas attardés sur les affinités ou bien les amitiés avec les gens avec ceux du régime. Mais qui se sont dit, il s'agit d'un problème qu'il faut finalement solutionner. Donc il faut mettre les gouvernants face à leurs responsabilités. C'est-à-dire de dissoudre cette unité spéciale des SAS, ce qu'ils ont appelé SAS. Et c'est ce qui s'est fait. Ils ont manifesté. Nous avons vu tous dans les réseaux sociaux ces artistes insister de par leurs tweets dans les plateformes des réseaux sociaux où ils sont. Ils ont dénoncé, ils ont pris position pour le peuple, ils ont dénoncé la brutalité pour le peuple, jusqu'à aller demander qu'il faut dissoudre, finir avec le gouvernement actuel du Nigeria. Et j'insiste que la plupart de ces artistes ont une proximité avec ceux qui gèrent le pays. Et le Nigeria n'est pas si géré de manière catastrophique comme le cas du Cameroun. Mais ils expliquent que la conséquence, cette brutalité policière, est la conséquence d'un gouvernement corrompu et qu'il faut mettre, débouter ceux qui gèrent dehors. Ça, ils n'ont pas eu de demande, ils n'ont pas déposé de demande de manifestation. Ils n'ont pas respecté, soi-disant, les règles établies. Ils n'ont négocié avec personne. Ils se sont dit, c'est leur peuple. Et ils s'identifient d'abord à ce peuple. Parce qu'ils sont issus de ce peuple. Ils se sont vus comme étant un élément de ce peuple. Ils n'ont pas regardé à leur statut. Ils n'ont pas regardé à leur carrière. Ils n'ont pas regardé à leur position. Mais tout ce qu'ils ont compris, ils se sont dit, hier, ils n'étaient pas, quelle qu'en soit la renommée internationale qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, mais hier, ils n'étaient rien. Ils faisaient partie de ce peuple. Et ils pouvaient aussi subir. S'ils n'avaient pas ce moment de privilège, ils pouvaient aussi subir les mêmes brutalités policières. Et c'est ça qui a encouragé les artistes nigériens de descendre dans la rue et d'accompagner le peuple. On a vu comment le mouvement a transcendé la frontière, les frontières du Nigeria, de par le monde, de manière continentale, où les gens même commençaient à dire que oui, des complotistes ont commencé à expliquer qu'il s'agit d'une déstabilisation organisée par les États-Unis et l'Angleterre pour pouvoir mettre en difficulté le Nigeria. Or, c'était une plaie qui n'avait jamais été traitée, qu'ils ont portée. Mais quand on revient donc au Cameroun, un élément qui inspire les Camerounais, des artistes, qui se disent que oui, parce que ça a été toujours notre revendication, nous, de la diaspora. Lorsqu'on avait commencé le boycott des artistes, nos revendications, nous leur avons interpellé depuis 2018 en leur disant, mais écoutez, vous n'allez pas aller jubiler, danser, faire allégeance à celui qui assassine le peuple qui vous soutient. À un moment,
Il faut stopper à ça. Joignez-vous au combat du peuple. C'est-à-dire, même si vous n'aviez pas la possibilité ou bien les éléments, vous avez peut-être peur, parce que tous, on ne vous demande pas d'être ou bien d'entrer en action politique. Mais au moins, soutenez la cause du peuple. Soit par vos chants. Soit dénoncé par vos réseaux. Aidez finalement la résistance. Mais tous sont restés indifférents. Que ça ne les concerne pas. Ça ne les engage pas. Mais du jour au lendemain, lorsque le voisin d'à côté s'est mobilisé, s'est levé, ils sortent qu'ils vont s'organiser. Et nous, on a cru tranquillement que bon, peut-être les artistes le feront une fois. Mais puisque vous aviez un régime qui, eux, sont dans une psychose permanente et perpétuelle de la perte du pouvoir, ils appellent tous ces gars. On a des éléments, hein. On a des éléments par rapport à comment ça s'est passé. Lorsque les malheurs sont sortis et les dynasties, machin, tout là. Après, il y a les coups de fil. Les téléphones des gars ont crépité. Nous, on voyait, voilà comment vous allez faire. On a commencé à négocier avec eux et tranquille. Et les gars sont... Vous avez One Love. One Love a pondu un truc. One Love disait qu'il essayait d'appeler Malox. Malox même l'a bloqué. Il a le numéro de téléphone. Il a essayé d'appeler Malox. Parce que les gars comme les One Love, il faut les respecter. C'est les gars qui ont pris position. Mais One Love appelle Malox pour lui dire, boum. On se connaît, mais écoute, la façon dont tu veux gérer cette histoire-là, les Camerounais ne seront pas d'accord. Le gars a bloqué One Love. Le gars a bloqué One Love. Parce qu'ils savent la supercherie. Aujourd'hui, on les a vus se mobiliser. C'était une journée de shooting. On venait nous montrer des photos en tenue d'écolier, tranquillement, et fait passer des messages comme si c'est ce que le peuple attendait. On vous donne une... Vous faites une déclaration de manifestation, on vous confine, on vous dit, rassemblez-vous ici, vous pleurez, et ça arrange tranquillement ces gens. Et vous croyez que vous avez fait tout un travail? Non, c'est pas ce que les gens attendent. C'est pas ce que les Camerounais attendent de vous. Les Camerounais savent pleurer leur mort. Ils sont dans le deuil depuis 4 ans. Ils pleurent. Mais ils estiment qu'il faut aujourd'hui poser les actes qui nous permettront de libérer ce peuple. Donc lorsque... Vous vous substituez, soi-disant la politique. Vous dites, maintenant là, il faut qu'on s'organise, qu'on aide les Camerounais pour arrêter cette guerre. C'est parce que vous estimez, comme premier indicateur, que les politiques ont raté, ont échoué. Et que vous allez utiliser de votre notoriété pour faire fédérer autour de vous les Camerounais afin qu'on impose un rapport de force pour amener le gouvernement à négocier. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà les premiers objectifs, les préalables qui devaient être sur la carte. Pourquoi organiser cette plateforme à l'Ox? Voilà la première réflexion. Pourquoi pleurer le deuil de Koumba? C'est qu'il fallait se poser comme question. Pourquoi l'on pleure en tant qu'artiste aujourd'hui? C'est qui s'est passé à Koumba? Nous pleurons Koumba parce que Koumba n'est pas le premier massacre. Koumba est un massacre de plus. Koumba est l'expression de degré de brutalité, de violence opérée sur des civils. Parce qu'à Koumba, ce n'est pas Paul Biya qui meurt, ni moins les membres de sa famille, ou bien ses amis. Mais les populations qui en pâtissent, c'est la population civile. Si nous faisons donc Koumba, cette plateforme pour Koumba, un, c'est pour exiger le dialogue inclusif. Deux, non, même pas. Un, la cessation immédiate de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Deux, le dialogue inclusif avec tous les acteurs, qu'ils soient modérés, progressistes, extrémistes, etc. Tous les acteurs. Voilà comment il fallait poser. C'est pour ça qu'on se constitue comme une plateforme des artistes. C'est pour demander ces préalables-là. Parce que nous estimons que les politiques ont échoué. Et ça doit se faire sans négociation. Si vous êtes véritablement touché par ces crimes et par ce meurtre, on n'a pas besoin de négocier avec vous. Vous ne pouvez pas utiliser les lamentations, les souffrances, le meurtre des populations pour pouvoir venir faire du buzz ou bien de la pub, du one man show, du branding sur la toile.
C'est indigne. C'est inhumain. C'est insensé. C'est en déconnexion de l'intelligence humaine. Oh, la posture que vous deviez avoir en tant qu'artiste, c'est vous dire, finalement, si la politique divise au Cameroun, et nous sommes conscients qu'il y a un véritable problème dans notre nation, parce que là, au moins, je pense que tous nous sommes d'accord, même ceux du régime, ils le savent, ceux qui sont encore équilibrés, que le Cameroun, il y a des problèmes. Elles sont multiformes, les problèmes au Cameroun. Là, au moins, nous sommes d'accord. Mais si nous estimons qu'il y a des problèmes au Cameroun et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les politiques n'ont pas pu, vous avez donc décidé de vous constituer par votre autorité pour apporter la solution à ça et faire fédérer les Camerounais. C'est tout ce qu'on attendait de vous. Est-ce que vous avez vu un parti politique vous soutenir? Même le parti politique qu'on est en taxe de tout, de récupérateur. Le MRC, de près ou de loin, s'est dissocié, ne s'est même pas intéressé. De peur qu'on me dise qu'il y a une volonté de manipulation de votre manifestation. Ceux dont qui ont peur de rejoindre la mobilisation souvent appelée par cette organisation politique du MRC et qui sont au courant que le Cameroun, dans sa profondeur, souffre. Attendez, que c'est une plateforme neutre, sans organisation politique au préalable, mais qui pouvait faire fédérer les Camerounais pour donner de l'envol. Mais vous aviez pris les lamentations et les pleurs pour faire du business. Pour faire de la négociation. On me dit de bloquer Jamie. Ouais, dès que je vois, je bloque. Je ne sais pas où mes gars sont. Mes gars sont pour bloquer. Ils ont pris les pleurs et les manifestations pour faire du business. Ok, vous qui attendez quoi des attitudes, vous qui pour attendre quoi des attitudes? Jamine Joe, je pense que c'est la personne qu'il faut bloquer. Ok, c'est bloqué. Donc c'est du pur business. C'est du pur business. Qu'ils partent se renseigner parce qu'ils se sont inspirés du Nigeria. Mais ils ont peut-être des amis artistes nigériens, non? Mais qu'ils appellent, qu'ils demandent. Ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais reçu de manifestation, d'autorisation pour manifester. Ils se sont mieux organisés, bien organisés. Ils ont accompagné le peuple parce qu'ils avaient compris. Mais vous êtes allé faire du spectacle, du shooting, raconter n'importe quoi. Qui le lendemain, aujourd'hui, vous avez même tué finalement parce que j'estime que le fait que vous ayez pris pour cause ce massacre de Kumba, ça a une fois de plus reculé le combat des Camerounais. Ça nous a empêchés d'avancer pour maintenir la pression. Vous avez joué au jeu de distraction et de dispersion des énergies. Vous n'avez pas aidé notre combat. Et c'est pour ça que nous vous en voulons et nous allons vous en vouloir pour toujours. Nous sommes restés silencieux. Parce qu'on ne voulait pas que certains disent qu'il s'agit d'une récupération politique. C'est les politiques qui sont derrière. On a refusé, on a fait silence, on a fait exprès de se taire, de ne pas se prononcer sur ces questions-là. Pour ne pas vous embarrasser, pour ne pas vous mettre dans une situation d'embarras. Mais non, vous êtes entré dans des deals. Aujourd'hui, des ministres, des hauts responsables vous appellent. On peut comprendre. Et c'est lui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'au Cameroun aujourd'hui, j'estime que quand les gens viennent vous dire qu'ils défendent le peuple, il faut faire une enquête de moralité, c'est très important. Mais pas seulement une enquête de moralité. Écoutez la cohérence et les propos. Ce même garçon dit très bien que lui, il est dans du business. Il cherche l'argent pour acheter des camions d'oignons pour libérer. Quand vous avez quelqu'un qui définit sa vie dans ce sens, bon, c'est son droit le plus absolu, je ne lui refuse pas.
Mais je ne veux pas que nous tombions dans la naïveté. Lorsque vous aviez quelqu'un qui définit, qui conditionne sa vie sur terre, par cette logique-là, ce n'est pas quelqu'un qui peut porter des causes. Ce sont d'être naïfs. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut remettre des causes, qui peut porter des causes. Ce n'est pas quelqu'un. S'il n'a pas fait ce dépassement sur le plan personnel, c'est bien beau, hein? Nous ne refusons pas. C'est bien le bien-être, c'est bien de chercher de l'argent, c'est bien de s'enrichir. C'est très bien. Ce n'est pas que je ne le dis pas pour dire que je suis contre. Non. Mais le problème, c'est qu'il faut hiérarchiser. Mais lui, dans son premier discours, dans sa première sortie, il a hiérarchisé. Il dit très bien que lui, c'est le business. Il va faire le business. Même l'histoire d'artiste, il s'énerve. Il s'en fout pas mal. Et qu'il estime que les autres ne veulent pas s'enrichir. Mais est-ce que nous ne savons pas que les autres s'enrichissent? Est-ce que nous ne savons pas que dans ce climat au Cameroun, il y a d'autres qui profitent de cette situation? Vous croyez que nous ne sommes pas au courant? Vous croyez que notre posture d'aujourd'hui ne nous permet pas de faire du clientélisme? On peut faire du clientélisme, hein? Que je vous le dise. Et la plupart du temps, peut-être vous le... Bon, peut-être beaucoup le savent. Ah ben, ceux du régime négocient beaucoup avec les gars de la diaspora aujourd'hui. Et certaines têtes, hein, s'il vous plaît, s'ils peuvent retourner, ce sera une victoire. Il y a beaucoup qui négocient. Mais de par notre statut, on pouvait utiliser notre statut, dire ok, on fait du deal, ou bien négocier. Mais c'est parce que sur l'hiérarchisation des valeurs, nous, le matériel ne passe pas au-dessus de l'individu, ou bien de l'humain. Notre dignité doit d'abord y être. Donc quand vous avez écouté quelqu'un qui vous très bien, qui veut faire du business, vous ne pouvez pas remettre de telles causes aussi nobles à de tels individus portés, croire en de telles personnes. Donc ce sont des roublards à peuple. Ce sont des roublards. Et ça, quand ils le font, qui est content? Quand ils partent, ils sont confinés, confinent leurs pleurs, leurs cris, leurs lamentations. Qui est content? Mais c'est le régime. Le régime de Biya danse tranquillement. On a étouffé l'histoire. Ah ça, les gars nous ont écoutés parce que la négoce s'est passée. Ils ont tellement négocié. Ils ne pouvaient pas interdire. Parce que s'ils interdisaient la manifestation, bon, en tout cas, ils ne pouvaient pas interdire que les artistes se regroupent. Ils ont dit, ok, vous vous regroupez, mais il n'y a pas de manifestation. Parce qu'ils savent qu'une manifestation au pays, une manifestation au pays là, s'ils ne contrôlent pas, ils savent très bien que cette manifestation peut dégénérer. Et ils ont peur. C'est pour ça qu'ils tuent dans l'embryon toute vérité de contestation. Les gars sont dans une psychose. Ils sont dans une peur. Ils tremblent chaque jour. C'est pour ça que Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, est séquestré sur lui. Parce qu'ils savent que ce monsieur Déon, c'est un danger pour la République. Vous voyez comment les artistes ont réussi à faire distraire. Or, nos douleurs, après les pleurs, il était question de construire un rapport de force pour imposer l'origine des Yamou des Verts, aller vers la négociation. La méchanceté, c'était le mauvais cœur qu'a fait ces artistes. C'est d'avoir osé donner confiance au peuple camerounais qu'il pouvait aller vers de véritables solutions. Or, cette période, le peuple camerounais pourrait mieux s'organiser. Mais le peuple camerounais était suspendu à vous, estimant que oui, nous ne voulons pas sortir sous la bannière d'un parti politique de l'opposition. Mais vous, au moins, nous attendons de vous pour que vous fédériez les Camerounais, pour que les Camerounais puissent se prononcer. C'est tout ce qu'on attendait. Mais vous avez empêché les Camerounais de pleurer. Vous avez permis qu'on oublie, parce que c'est ce qu'il faut dire. Vous avez réussi que les Camerounais oublient le deuil de Koumba. C'est pour ça que personne, quiconque est équilibré, ne peut pas saluer
la sortie de ces artistes. La sortie des artistes est une complicité contre la résistance. C'est un complot contre la résistance. C'est comme ça qu'il faut percevoir ça. Et ceux qui sont responsables, qui ont organisé ça, vous devez dès aujourd'hui les classer comme étant des ponce pilates de la République, comme étant de ceux des Momo, des autres, tout cela, machin, truc, les Cabralibi, etc. Les ponce pilates de la République. C'est comme ça que vous devez les considérer. Ils ont participé à tuer, à calmer la colère et la frustration des Camerounais. Et ça, c'est une douleur profonde. Et il faut oser le dire. Mais quand on l'a dit, on ne va pas donner plus de visibilité parce qu'aujourd'hui, vous comprenez le malaise camerounais. Vous comprenez la situation du Cameroun. Vous voyez aujourd'hui qu'au Cameroun, les hommes comme Maurice Kamto sont rares. Sont de plus en plus rares. Donc, peuple, ce que nous nous demandons aujourd'hui, c'est de constater ce qui s'est passé, de considérer que tous sont du camp de l'adversaire, de l'ennemi, ils ne sont pas des nôtres, donc nous ne tombons plus dans ce piège. Nous devons finalement construire, en tant que peuple, un rapport de force pour nous libérer. Nous devons construire un rapport de force qui va obliger les autres de nous rejoindre aujourd'hui. Et de plus en plus, peut-être je vais me radicaliser dans mon discours parce que j'estime que on a trop bavardé. À un moment, le bavardage devient soporifique pour certains. Il faut sortir des couloirs de bavardage pour celles des options. Et les options, c'est très important. Ce qu'il faut rappeler, non seulement nous avons réussi sur le plan médiatique à tuer la dynamique des élections régionales qui vont se passer le 6 décembre. Parce qu'en réalité, quand vous observez sur le terrain, il n'y a aucune mobilisation de l'État. Les Camerounais ont abandonné, nous n'y sommes même plus intéressés parce qu'ils savent la profondeur, ce qu'ils veulent aujourd'hui. Mais ce que nous voulons dire aux Camerounais, la dernière élection qui était demandée par le président Maurice Kamto d'un biocop effectif de ne plus aller, de ne pas aller, vraiment, le taux d'attention était énorme. Et les Camerounais ont écouté leur leader. Les Camerounais se sont prononcés, ne sont pas sortis pour aller à cette élection. Mais je veux revitaliser encore notre mémoire, notre esprit. Maurice Kamto aujourd'hui est séquestré parce qu'il a osé dire que tant qu'il n'y aura pas de cessation de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et il n'y aura pas une réforme de manière unilatérale, non pas de manière unilatérale, de manière consensuelle du code électoral, il ne peut pas avoir élection. Je vais comprendre que beaucoup nous sommes stoppés aux orientations de cet homme politique que nous aimons beaucoup, qui a su faire. En tant qu'homme politique, c'est quelqu'un de procédural, qui aime la légalité, qui s'offre un couloir et un chemin pour de plus en plus dénoncer, non seulement dénoncer, et porter nos revendications par tous les moyens pour qu'on puisse sortir de cette situation catastrophique au sein du Cameroun. Mais maintenant, peuple, ce qu'il faut dire, c'est que le contexte actuel, non seulement continental, mais international, est tel que les peuples doivent finalement se mobiliser pour eux-mêmes. C'est pour moi de vous rappeler, peut-être vous l'avez vu, vous l'avez suivi, je ne vais pas m'attarder sur la question en Côte d'Ivoire. Vous avez vu en Côte d'Ivoire,
un peuple uni, un peuple solidaire, en écoute de ses leaders politiques, qui ont pu mettre en difficulté Alassane Ouattara. Le taux de participation d'Alassane Ouattara comme président de la République, vraiment, c'est un véritable échec jamais vu. Pour la mandature d'Alassane Ouattara, il aura les pires problèmes qu'il n'a jamais eu depuis les 10 ans passés. On a vu un peuple aussi courageux face à la brutalité policière, face aux milices, parce que Alassane a réussi à créer des milices pour créer des guerres, des conflits internes, hein, inter-ethniques. Mais ce peuple s'est organisé et ont mis en échec l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous avez toutes les images sur la toile. Maintenant, lorsque vous aviez, pour le cas du Cameroun, des gens qui s'entêtent, des gens qui naguent le peuple, qu'il veut confiner nos frustrations, alors qu'on sait que le mal est profond, qui ont un autre agenda du Cameroun, en dehors des Camerounais, qui veulent décider de notre devenir, il est important à ce moment de se transformer en tant que peuple. Et ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que peuple, nous devons finalement comprendre que la lutte de la libération de notre pays est tellement essentielle et importante parce qu'il s'agira de donner aux générations futures les conditions agréables pour qu'on puisse décoller. Et si nous ne menons pas les batailles qui nous sont propres, le président Maurice Kamto le rappelle aujourd'hui, l'histoire retiendra que les Camerounais, à cette époque, n'étaient pas des hommes. Nous étions tout sauf des hommes. On ne peut pas vous imposer une telle condition de vie. Parce que quand vous voyez le fonctionnement de ce pays, ces gens qui gèrent le Cameroun, ils ne gèrent pas le Cameroun en vous considérant comme les copropriétaires de ce pays. La façon dont ils gèrent le Cameroun, ils gèrent le Cameroun comme étant leur propriété et vous êtes des sujets qui obéissez à leur dire, qui obéissez à leur volonté. Donc pour eux, vous êtes sujet. Et quand je parle de sujet ici, esclave. Donc vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Vous n'êtes pas libre de décision. Vous acceptez les ordres qu'on vous impose. Or, si on s'est fondé comme république, c'est parce que on a décidé ensemble qu'il y a des règles qui gèrent la république. Et ces règles doivent être respectées de tous. Pas d'une seule partie. Mais au Cameroun, les règles sont telles que ceux qui ont les manettes de la République nous imposent leurs règles. Qui nous contient et qui nous met dans une servitude volontaire. Mais eux, ils ont tous les droits. Non seulement sur le sol, sur nous, sur nos familles, etc. Et à ma souvenance, je n'estime pas que chacun de nous qui soyons nés, en fait, au Cameroun, que la nature ait voulu que nous soyons Camerounais. Nous ne sommes pas nés Camerounais pour accompagner les autres Camerounais. Nous sommes nés Camerounais parce que nous avons notre part à apporter pour la construction de notre nation. Aussi moindre qu'il peut l'être, nous avons notre part à poser pour aider à la reconstruction de notre nation. Mais ça doit se faire dans le respect des règles qu'on s'est fixées. Mais pour le cas du Cameroun, ce n'est pas ça. Vous avez un président de la République qui a disparu depuis Marx. Vous n'avez aucune information s'il est vivant ou s'il est mort.
Aujourd'hui, on utilise sa photo pour gérer les Camerounais, pour assurer la continuité de l'État. En dehors de sa photo, il a donné les prérogatives en vrai de sa signature à son secrétaire, à la présidence de la République, qui utilise des formules lorsqu'il y a nomination, bien il y a décret, pour assurer que la continuité de l'État avance, effectivement, que l'hégémon central, M. Paul Biya, est toujours au contrôle des manettes de la République, assure la continuité de l'État. Ils utilisent des formules bien claires, bien précises, pour faire comprendre aux Camerounais qu'il est toujours vivant. Vous avez des grands rendez-vous, tant sur le plan continental international. Il a disparu. On ne le voit pas. On empêche les Camerounais de demander la constatation de la vacance du pouvoir. On gère le pays comme on veut, comme on pense. Il y a une haute tribalisation de la fonction publique au Cameroun. Je ne veux pas entrer dans les détails, peut-être vous aviez vu, vous aussi. Il y a des privilégiés de la République. Mais jusqu'à quand nous avons subi de telles injustices? Jusqu'à quand on va se moquer des Camerounais? Je reviens encore sur le deuil de Koumba. En France, j'étais en France là, j'ai séjourné quelques jours en France. Pendant mon séjour, j'ai assisté, comme tout le reste, à des massacres, à des attaques terroristes, où il y a un professeur qui a été abattu, après dans une église. Vous avez aussi des personnes qui ont été abattues. Bon, je ne vais pas entrer dans des querelles de fond, hein, machin truc, l'islamisme, etc. Mais ce qui a suscité ma curiosité, c'est que, avec un programme, un agenda du président de la République de la France, lorsqu'il a constaté qu'un de ses citoyens était abattu, il s'est rendu directement rendre hommage sur les lieux du crime. Rendre hommage à ce professeur. Quelques semaines après, vous avez des Français, bon, qui ne sont pas foncièrement des Français d'origine, hein. Il y a une Brésilienne là qu'on a montré la toile. Mais le président français s'est déplacé, aller à Nice, pour rendre hommage. Voilà, même si on peut être critique avec la France, mais ils ont la conception de la République est autre. La façon de voir la République. Lorsque quelqu'un se sent touché, un Français, voit tout le gouvernement se déplacer. Des réunions sont organisées. Pourquoi? Comment on va faire pour réfléchir? Mon Cameroun, vous avez des enfants qui ont été abattus. 7 enfants. Même la photo n'était pas là. Même la photo n'était pas là. Après, c'est passé comme ça. Et ils disent deuil national. Vous aviez vu le deuil national. Vous aviez vu les photos. Aucun membre du gouvernement. On invitait un prêtre. Tu avais le représentant de la CIA TV. Le directeur était aussi. La salle était vide. Aucune mobilisation gouvernementale. Personne. Ils s'en fichent pas mal. Et ça, ça doit être les éléments qui vous parlent. Ça veut dire que ceux qui nous gèrent, ils s'en campent des Camerounais comme les premiers paires de sandales. Ils s'en fichent pas mal de votre vie. Vous ne comptez pas, vous n'existez pas pour eux. Vous n'existez pas pour eux. Et comment vous allez continuer à soutenir un tel régime? À rester silencieux? Moi, j'ose croire, et je vais être de ceux qui pensent que vous n'êtes pas envoûté. Je veux croire que vous n'êtes pas sur l'innoce collective qu'on nous a tant dit. On nous a souvent dit que les Camerounais sont sur l'innoce collective, par Paul Biya, qui les a enfermés. D'autres ont parlé des zombifications. Mais si c'est le cas, moi j'estime que pour la libération de nos contrées, de notre pays, on n'a pas besoin de 25 millions de Camerounais. Il faut finalement s'armer de courage pour affronter ceux d'en face.
C'est bon. La diplomatie, tout le lobbying qui est fait tout autour sur la personne de Maurice Kamto. Mais j'estime que les jours qui arrivent, qui arriveront, pardon, j'estime qu'il y a urgence de se mobiliser pour demander sa cesse. Bibi Moussak est menacé, vous avez vu sur la toile. Vous avez le professeur Alain Fogué, on ne sait plus quoi. Vous avez des prisonniers, des détenus qui ne sont pas libérés. Vous avez des cas d'injustice de plus en plus graves. Les avocats qu'on n'écoute même pas. On les écoute quand on veut. Vous avez nos compatriotes qui décèdent. On vous empêche même de pleurer vos compatriotes. On confine vos pleurs. Et de sur quoi? Ils disent qu'ils vont organiser une élection. Dans le but de nous faire croire. Or, les régionales n'est qu'une stratégie d'anticipation à cette succession du gré à gré à la tête de l'État. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, les Camerounais se disent que nous n'avons plus personne. On doit s'investir nous-mêmes. On doit s'organiser pour finalement imposer un rapport de force au Cameroun. La diaspora a fait son travail. Et la diaspora continue de faire son travail. Donc, dans les jours qui viennent, il faut forcément opération 1000 personnes. Il faut qu'on s'organise dans ce sens-là. Il faut une opération de 1000 personnes pour aller libérer le président Kamto. Il faut le faire. Et je salue la bravoure de nos mamans, de nos Amazones au pays. Je pense que depuis 2018, nous avons prêché par la paix. Nous avons expliqué les choses, la conception des choses, comment nous voulons que les choses se passent. Mais aujourd'hui, l'heure est arrivée. Qu'on organise une opération de 1000 personnes. Ils ne seront pas payés. Moi, je ne suis pas dans la logique de payer. Non, ils ne sont pas payés. Mais tout ce qu'on peut vous garantir, nous allons assurer un service après. C'est tout ce qu'on peut vous garantir. Et ça, vous pouvez compter sur moi. Mais il y a urgence d'organiser une mobilisation de 1000 personnes pour demander la libération de Maurice Kamto. Ça, nous devons finalement travailler dans ce sens-là. Non seulement sa libération, mais d'empêcher par tous les moyens qu'il y ait les régionales au Cameroun. Que l'exemple de la Côte d'Ivoire vous parle de la détermination de ces jeunes. Ils n'ont pas été payés. Ils ont défendu la patrie contre un imposteur. Nous sommes arrivés à un stade où la violence exercée sur le peuple camerounais ne doit plus rester sans riposte. Ils ont les moyens de l'État, mais nous avons les moyens du peuple. Et ça, ils craignent. Donc finalement, dans cette opération, il faut une opération de 1000 personnes courageuses qui sont prêtes à tout. Et je vais vous dire, ne soyez pas effrayés par ceux qui vous disent que si vous sortez, on va vous tuer. D'ailleurs, c'est une incongruité de faire croire à ceux qui manifestent pour les libertés public, de leur dire que lorsque vous sortez, vous êtes tué. C'est une imbécilité. Déjà, de faire croire ça aux gens. Parce que sortie n'est pas synonyme de tuerie. Mais j'ai l'impression que c'est en Afrique qu'on construit, surtout au Cameroun, qu'on construit tel raisonnement pour empêcher les gens d'exprimer leur frustration. Donc, ne soyez pas craintifs par rapport à ça. Et je tiens à vous rappeler les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui au Cameroun sont déplorables, pitoyables. Que le Camerounais qui estime qu'il ne faut pas se mobiliser ou bien il faut se calmer en espérant que Dieu va solutionner les choses, vous vous trompez. Bien avant de mourir, a organisé son système tel que après lui, ce sera lui. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on constate la vacance du pouvoir. Parce que lui, il a toujours décidé
que le jour où il va abandonner le pouvoir, il faudra que ce soit toujours lui. Et quand je parle de lui, ce soit quelqu'un qui incarne le biaïsme et qui va continuer à pérenniser le régime Biya. Donc, si vous restez dans cette logique en vous disant que Dieu va vous aider, vous vous trompez. Dieu, lui, il est dans le ciel et il règle ce qui se passe dans le ciel. Et vous, vous êtes sur la terre, vous devez régler ce qui se passe sur la terre. Et quand je dis le régler, c'est le régler de manière humaine. Donc, ça veut dire quoi? Les jours qui viendront, il faut qu'on s'organise. Il faut une opération de 1000 personnes et dire qu'il faut stopper avec ça. Ça ne doit pas partir de Maurice Kamto, bien, etc. Non. Et j'estime aujourd'hui que la situation actuelle au Cameroun doit donner des raisons à tout Camerounais de construire un véritable leadership en dehors du leadership de Maurice Kamto. C'est-à-dire de se constituer, d'amener les Camerounais, d'appeler les Camerounais, de les organiser. Et quand je parle aujourd'hui, il faudra une personne charismatique, bien évidemment, mais qui sera dans cette démarche de dire qu'il faut qu'on libère Maurice Kamto. Parce que sur le plan juridique, c'est inconcevable, c'est inacceptable, parce qu'ils n'ont même pas d'éléments pour qu'ils l'ont séquestré chez lui. Donc c'est un droit pour vous de vous mobiliser pour la libération d'un tel individu. C'est un compatriote, c'est un citoyen, c'est un Camerounais, c'est normal. Donc, actuellement, il faut organiser, il faut créer un leadership. De la lutte politique. C'est important. Je ne vais pas entrer dans les détails, je sais de quoi je parle. Le professeur Maurice Kamto, on va le laisser dans son cadre. Ça ne doit pas être une émanation de la personne de Maurice Kamto. Mais aujourd'hui, tous ceux qui gravitent autour de la personne, ou bien ceux même qui sympathisent à la cause portée, doivent aujourd'hui organiser les Camerounais. 1000 pour qu'ils s'organisent pour libérer la personne de Maurice Kamto. Il y a des Camerounais braves et courageux qui peuvent le faire. Et je tiens à vous rappeler que la diaspora va vous aider dans ce sens-là. Pour mieux vous organiser, vous structurer, pas vous payer. On ne paye personne. Moi, je suis de ceux qui estiment qu'on ne paye pas les gens pour sortir. Il nous faut aujourd'hui. Il faut quelqu'un qui va transcender cette peur. Il faut quelqu'un qui va amener, parce que j'estime aujourd'hui que les Camerounais sont tellement braves, mais ils ont besoin de quelqu'un de charismatique, de crédible autour d'eux, en dehors de Maurice Kamto ou bien les autres, de les amener à ça. Il y a beaucoup qui gravitent. Attendez, je bloque quelqu'un. Il y a beaucoup qui gravitent. Il y a beaucoup qui gravitent autour de lui, qui peuvent le faire. Donc, il faut qu'on se donne cette opération-là de 1000 personnes pour libérer Maurice Kamto et de lancer finalement une désobéissance civile. C'est très important que les élections ne se passent pas au niveau du Cameroun. Il s'agit d'un sursaut patriotique. Il s'agit de sauver notre nation. Parce que ça ne sert à rien de vivre dans cette condition. Parce que vous avez la plupart des Camerounais, surtout cette jeunesse-là. Vous écoutez des Camerounais, la multitude. Si vous discutez avec eux, n'importe quel Camerounais, il dit vraiment le pays, ça ne vaut pas la peine. Les Camerounais vivent dans leur pays comme des clandestins. Tous sont morts, ils ne peuvent plus vivre, ils ne se projettent plus. Ils n'y pensent plus. Les Camerounais ne rêvent plus, ceux qui y vivent. Donc pour moi, ils sont humainement morts. Parce que lorsqu'on vit, on ne se projette plus, on ne réfléchit plus, on ne pense plus, on est humainement mort. Parce que l'humain, c'est celui-là qui pense, qui réfléchit et qui se projette. Mais si les Camerounais n'y rêvent plus, ne rêvent plus, ne réfléchissent plus, ne pensent plus, ne se projettent plus, ils sont humainement morts. Donc c'est pour ça qu'il faut affronter ce régime, finalement. Et ce qu'il faut comprendre de la mort n'est pas l'obscurité, mais c'est la lampe qui s'éteint pour que le jour s'élève. Il faut comprendre ça. La mort ne doit pas être considérée comme une fatalité, même s'il faut qu'on arrive à ça. Et ça, c'est mourir en martyr. Et mourir en martyr
estime que c'est quelqu'un qui est tombé par que tu es allé violenter. Non, non. C'est que tu apportes une cause. Tu as des convictions. Tu défends ces convictions jusqu'au sacrifice de ta vie. C'est ça le martyr. Jusqu'au sacrifice de sa vie. C'est pour ça que vous ne pouvez pas, la plupart, vous appréciez beaucoup nos frères arabes, musulmans, etc. Parce que ces gars, quand ils portent une conviction, ils meurent, ils sont prêts à donner de leur vie pour que la conviction puisse passer. Et pour le cas du Cameroun, il s'agit d'imposer la justice dans ce pays. Et pour cela, même s'il faut mourir pour imposer cette justice, il faut le faire. Et vraiment, la conception de la mort, ne vous dites plus que la mort, c'est une fatalité. Non, tous nous sommes appelés à mourir, qu'on ne le veut pas. Même si on reste silencieux. Dans 100 ans, nous allons tous disparaître. C'est une certitude mathématique. Tous nous allons disparaître dans 100 ans. C'est une certitude mathématique. Mais maintenant, en tant qu'individu, si nous n'accomplissons pas, ou bien nous n'appliquons pas, nous ne travaillons pas pour la promotion de notre société, nous ne serons pas différents des animaux. Parce que ce que nous faisons, manger, dormir, boire, faire l'amour, les animaux, surtout les souris, la souris même, observez les souris, la souris, hein, les souris le font mieux que nous. Hein. Manger, boire, dormir, faire l'amour, ils font ça mieux que nous. Ça sont les animaux. Maintenant, ça ne vous différencie pas des animaux. Oh, la différence en tant qu'être humain, c'est que vous devez construire, durant votre existence dans la communauté des humains, vous devez construire et bâtir la promotion d'une société voulue et acceptée de tous. C'est dans ce sens que vous pérennisez votre nom. C'est dans ce sens que vous marquez les esprits. C'est dans ce sens que vous laissez un héritage aux générations futures. La plupart des grands hommes que nous récitons, ou bien que nous nommons aujourd'hui, ils ne vivent plus, ils ne sont plus dans le monde des vivants. Mais ils ont marqué leur existence en prenant position, en luttant pour des causes nobles. Nous retenons leur nom. Nous les nommons, nous les citons. Et ce sera de génération en génération. Et ils seront dans une logique, ils sont dans une dimension éternelle. Tant que la terre va exister, tant que les humains existeront, les noms de ces acteurs, de ces héros, vont traverser des générations, des siècles et des siècles et des siècles. Parce qu'ils ont légué, laissé à la progéniture des biens comme des valeurs. Donc nous devons nous battre. Donc la mort ne doit pas être considérée comme une fatalité, ni moins comme l'obscurité. Non. Ça doit être cette lampe qui se teint pour que le jour s'élève finalement. Donc si vous devez vous éteindre pour que le jour se lève au Cameroun, il faut le faire, mes frères. Ne craignez point. Ne soyez pas la honte des autres pays africains. Un pays constitutionnellement construit d'intellectuels, du tout. Je causais avec un ami aujourd'hui, où on parlait un peu des questions africaines, etc. Et qui me disait que je ne me prononçais plus trop et tout ça. Je lui dis vraiment, pour moi c'est une incohérence véritable de me prononcer, même si je suis très d'accord des luttes des peuples des autres pays. Mais la situation actuelle ne me permet pas de me prononcer véritablement sur les querelles dans d'autres pays. Il me dit, mais pourquoi Stéphane? Parce que lui n'est pas Camerounais. Je lui dis, mais non frère, je ne peux pas me prononcer. Parce que pour moi, c'est une véritable contradiction. Qu'est-ce que je servirais? Qu'est-ce que je donnerais comme leçon? Ou bien je servirais comme d'exemple à d'autres pays?
Parce qu'ils me rediront. Et c'est ce que c'est pour ça que moi, je me suis reculé, pas sorti du combat panafricain. Je me suis reculé. Parce que j'estime que c'est quand même indécent de parler des choses d'autres pays, alors que chez vous, vous vivez les mêmes choses, vous n'arrivez pas à appliquer les principes et les théories dont vous récitez tout le temps dans votre propre pays. Mais vous demandez aux autres de les appliquer. Mais il y a quand même une incohérence. Moi, je leur ai dit, mon combat aujourd'hui, aussi vrai que ça me rend très difficile, ça me renferme sur le temps national que du Cameroun, mais je suis obligé de le faire. Parce que il faut une adéquation avec ce que nous disons et ce que nous vivons. Je ne peux pas dire aux autres peuples, levez-vous, ou bien trancher, quand dans ma propre maison, je n'ai pas appliqué les mêmes principes. Il faut que ce soit vrai pour moi, que ce soit une expérience vécue, et que je le prescrive en posologie politique à d'autres pays. Mais tant que ce n'est pas vrai pour moi, je ne peux pas me prononcer sur d'autres États. Même si je suis d'accord, je me solidarise dans leur combat. C'est pour ça que j'ai pris du recul. Je ne veux pas trop me prononcer parce que j'estime que finalement, ce que je reproche à d'autres États, c'est ce que je vis dans mon propre pays, dans ma patrie. Donc, il faut effectivement travailler pour que ça puisse être dégagé. Et c'est ça la cohérence. Donc, c'est pour ça que quand vous aviez quelqu'un qui vous dit qu'il est panafricaniste et surtout camerounais, qui vient vous donner des leçons sur le panafricanisme, les théories, écoutez, il faut l'insulter, c'est un imposteur. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la plupart de mes aînés. Hier ensemble, on travaille tous. Je ne suis plus d'accord. Je me suis déconnecté parce que j'estime que l'intelligence doit être au service de la vérité et non contre la vérité. Et l'intelligence exige de nous l'objectivité. C'est-à-dire, lorsqu'on veut être objectif dans un cas précis, il ne faut pas emballer, mettre des gants pour analyser la situation de nos États. Nos États sont des précarés français, entretenus par des suppôts, par des supplétifs, des girouettes politiques, des rentemplants politiques à la tête de nos États. Donc, s'il faut solutionner ce problème, la capacité de nuisance qu'a nos chefs d'État est dangereuse, est très très dangereuse, que vraiment je n'ai pas peur de l'influence internationale. Écoutez, c'est vous qui connaissez ce grand proverbe qui dit très bien que lorsqu'une famille se divise en interne, c'est plus grave. Quand la division vient de l'intérieur, c'est plus grave. Mais quand c'est de l'extérieur, on peut contrôler. Donc, dans ma cohérence, pour moi, j'estime que s'il faut mettre en difficulté les puissances étrangères, il faut déjà nettoyer à l'intérieur ceux-là qui entretiennent et qui permettent à cette puissance de pouvoir spolier nos richesses. Parce que la France n'est que France en fonction du fait qu'il existe dans nos États des girouettes politiques qui leur permettent de spolier nos États. C'est pour ça qu'ils se bataillent de leur maintenir à la tête de nos États. Ça, ils l'ont compris. Ils le savent très bien. Mais comme la plupart sont suspendus aux réclamations stomacales, ils ne pourront jamais défendre cette cause. On va esquiver ce que Pobi a fait aux Camerounais, mais on sera plus critique de ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Même si Ouattara, pour moi, je ne l'aime pas. Mais j'estime que si on veut aussi, de manière viscérale, être opposé à Ouattara, il faut que ce soit vrai pour le cas de notre pays. Et c'est ça la cohérence et l'objectivité. Ça fait que l'intelligence revient au service de la vérité et non contre la vérité. Il n'y a aucun élément qui justifie leur soutien. Le Cameroun, depuis 38 ans, est un échec. C'est un échec visible. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas philosopher sur ça. Prenez un enfant, même s'il a 4 ans, il vous dira que le pays va mal. Il n'a pas besoin de faire la philosophie dessus. Et tous, ils le savent. Mais comme la plupart, enfin, n'ont pas dépassé les besoins physiologiques, ils viennent narguer le peuple camerounais et les Africains chaque fois. Et ça, c'est une incohérence de ma part. Donc, ne trompez pas les gens avec cet idéal.
J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont ensorcelés par la question du panafricanisme. Le panafricanisme ne pourra qu'être réalité le jour où nous allons comprendre qu'il faut doter à nos États des véritables présidents qui ont la légitimité populaire. Tant qu'on n'a pas la légitimité populaire, on ne peut pas s'attaquer aux questions de souveraineté. C'est pour ça que Paul Biya peut vivre depuis 38 ans avec le franc CFA, en harmonie avec le franc CFA, ça l'embarrasse point. Parce qu'il sait très bien, le juif va demander qu'il faut sortir du franc CFA. Il n'aura que 48 heures, on va le dégager de là. Parce que la France sait comment ils l'ont aidé pour qu'il se maintienne en tant que président. C'est des questions qu'il faut dire aux Africains, qu'il faut expliquer. Et tous ces présidents-là, tous, sont passés par le même schéma. C'est un casting qui les a optés là-bas. Ils n'ont aucune légitimité sur le plan populaire. C'est des coups d'État ou bien des robes d'or. Mais le schéma est le même. Et c'est ça où ils nous imposent une photo. Le peuple ne peut pas s'exprimer. Le peuple ne peut pas demander sa volonté. Et vous voulez qu'on aide les gens, on aide à imbéciliser les Africains. Je n'entre pas dans ce jeu. Je ne peux pas imbéciliser les Africains. Je ne pourrai jamais. Même si je sais que les externalités sont responsables, on leur parle de responsabilité dans notre système de développement. Je ne peux pas nier la complicité engagée des nôtres. Jamais. Et ils sont plus nuisibles. C'est pour ça qu'il faut les débarrasser de la tête de nos États. Macron l'avait dit à Ouaga, lorsqu'il était à l'université de Ouaga, devant les jeunes, il leur a dit, oui, vous nous accusez, nous, la France, est-ce que vous avez vu un Français sur le terrain pour déstabiliser ou bien pour faire ceci? Il avait raison. Ils se moquaient des Africains. Mais or, ils ont organisé leur système tel qu'ils vont prendre des supplétifs qui vont faire le travail, mais pour leur rendre compte. Parce que leur approche, ils ont une approche subtile. De recolonisation, on utilise nos propres frères. C'est pour ça qu'il faut débarrasser ces complices, ces ponces pilates contre nos républiques. C'est très important. Mais pour cela, frère, il faut créer un rapport de force. Il faut créer un rapport de force. Il faut créer. Ils ne sont pas puissants. Ce sont des humains comme vous et moi. Ils ont les mêmes émotions. Il n'y a pas de super homme sur terre. Peut-être la différence, ils utilisent les moyens de l'État. Mais à un moment, c'est pour vous dissuader. Mais la dissuasion ne passe plus face aux souffrances, aux cris d'un peuple qui meurt chaque jour. Il faut leur opposer leur votre humanité, même s'il faut disparaître, même s'il faut mourir. C'est trop ça. Jusqu'à quand? Les Camerounais qui sont salués, respectés comme vous, vous êtes devenus la honte. Vous êtes gérés par une photo. Et personne ne parle. On fabrique des politiciens autour de vous, on se moque du peuple. Voilà une élection régionale qu'on veut organiser pour distribuer l'argent sans jamais solutionner le problème anglophone. C'est ça le Cameroun que vous avez besoin. C'est de ce Cameroun que vous voulez vivre. C'est de ce Cameroun que vous voulez accepter. Nous, on va continuer le combat. Même s'il faut qu'on se déporte pour ce pays, on va le faire. Si ça doit être ça la finalité. Mais comme je l'ai toujours dit à mes camarades et mes frères du combat, que ça doit être le joker de nos actions. Nous n'allons pas laisser ça nous tenir à la tête du pays. Même si c'est nous de la diaspora qui devons descendre, on va descendre. Mais nous n'allons jamais, et nous n'embrassons pas ce combat pour perdre. Nous n'allons jamais accepter que ces mécréants puissent continuer jusqu'en 2025. En tout cas, en ce qui me concerne, que les gens veulent ou bien ils ne veulent pas. Moi, je suis dans une logique qu'à un moment du combat, on va se déporter pour les affronter. Si c'est la mort ou bien la liquidation, il n'y a pas de souci. Mais au moins, l'histoire retiendra qu'il y eut des enfants de la patrie, de par l'extérieur, qui se sont levés pour venir libérer ce pays. Et on va le faire. Mais c'est un joker.
qu'on ne l'applique pas. Parce que nous estimons qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais peuvent encore changer les choses. Mais les choses qui se font, qui se dessinent, doivent vous permettre de déceler finalement les ennemis de la nation, les ennemis du peuple. Les artistes vous ont démontré aujourd'hui qu'ils ne tiennent pas vos amis, qu'ils ne vous aiment pas. Ils sont aussi dans leur business. Et quand vous l'aviez vu, vous devez finalement compter sur vous-même. Vous deviez comprendre que la lutte pour la libération de ce pays n'est que de vous. Et vous n'avez pas besoin de 25 millions de Camerounais. Je vous le répète, c'est très très important. La chance que nous avons pu créer la masse critique considérable. C'est pour ça que l'opération de 1000 personnes, si 1000 se mobilisent, les autres viendront parce qu'ils ont les mêmes frustrations que vous. Mais aujourd'hui, ils attendent le courage. Et 1000 personnes, vous pouvez les identifier, vous les connaissez. Ils sont la Légion. Il y a des Camerounais qui sont dans cette posture, mais qui attendent le déclic. On fait comment? Un de nos leaders, le seul, l'unique, le vrai, est séquestré depuis quelques jours. Nous avons opté par toutes les voies de dialogue, mais rien n'est fait. Donc ça doit justifier cette mobilisation, Satan Barbara. Et je vous le dis, on ne peut rien contre le peuple. S'il faut qu'on meure pour ça, ok, la mort devient pour nous une victoire. On va mourir. On va mourir. Il le faut. Donc, c'est un sursaut patriotique qui doit se faire. Ils ont les mêmes émotions que nous. Ils ont peur et plus peur que vous. Ils ont plus peur. J'ai une petite anecdote là, mais je ne pense pas que je vais faire. Peut-être le ministre se reconnaîtra. Il y a un ministre qui a été vu, mais ça c'était avant, c'est pas récent. Un ministre qui a été vu dans la rue des Champs-Élysées, dans une boutique. Et c'est un Camerounais qui l'observait. Le gars guettait partout. Il avait un garde de corps. Il guettait tous les coins et les recoins. Or, ce ministre gronde souvent, jusqu'à sortir les yeux. Il s'est retrouvé dans l'avenue des Champs-Élysées. Il y a un Camerounais qui l'observait à distance. Le gars regardait de gauche à droite. Les gars ont plus peur que vous et moi. Pourquoi ils utilisent les moyens de l'État pour vous contenir? C'est parce qu'ils savent que le jour où le rapport de force tremble, ils ne commettent pas. L'avenir pour eux est incertain. Ils ont peur. Frère, considérez le Cameroun comme étant votre maison. Donc quelqu'un est venu prendre vos enfants, arracher votre femme, tuer vos enfants, emprisonner votre femme, s'asseoir sur votre richesse et vous demande de la boucler, de la fermer. Si vous êtes dans cette posture, la frustration devient légitime. La légitime défense devient l'option pour vous. Car, si vous laissez de manière lâche, on tue vos enfants, on emprisonne votre femme, on prend toute votre richesse et vous ne dites rien, vous n'êtes qu'un lâche, vous n'avez pas droit à la vie. Maintenant, l'option qui se présente à vous, soit vous les affrontez et vous mourrez dignement. Que du jour lâche. Parce que là, vous êtes mort. Vous décidez de les affronter, vous mourrez. Au moins là, ils auront dans leur conscience qu'ils ont eu un monsieur brave. Et la conscience sera troublée toute leur vie. Qui a refusé de soumettre sa dignité. Parce que la dignité, c'est votre valeur. Donc, dans cette posture, vous décidez de les affronter. Et c'est ça la situation du Cameroun. Ils ont décidé de liquider tous nos biens, de nous empêcher de jouir de ce qui se passe dans ce pays. Et quand on veut manifester, ils nous arrêtent, ils n'ont même pas d'éléments pour ça. Donc la frustration
qui à l'intérieur de nous est une frustration légitime dont on doit se lever contre eux. Dans les jours qui viennent, peuple, il faut 1000 Camerounais pour aller demander que ça cesse ce canton. Tout le reste ne sera que bavardage. Il faut 1000 Camerounais mobilisés. Et c'est très facile. 1000, je demande seulement 1000. 1000 Camerounais. Et ça peut s'organiser spontanément. Les services secrets ne dorment pas dans les cabinets. Les services secrets ne peuvent pas contre ton peuple. Vous devez faire un travail d'identification. Il faut ça. On doit mettre cette opération. Et je vous rassure, la diaspora camerounaise, nous allons assurer toutes les conséquences. Il n'y a pas dit qu'on va payer. On ne paye personne. Non. Donc, avec les autres, nous allons réfléchir dans cette démarche-là. Il faut qu'on sorte 1000 Camerounais. Maurice Kamto ne doit pas sortir de sa maison après le 6 décembre. C'est impossible. Soit nous ne sommes pas Camerounais. On va travailler dans ce sens-là. Je dis, ce soir, je me donne la responsabilité de travailler sur ce dossier-là. Je me donne la responsabilité de sensibiliser. Parce que j'estime que l'heure du bavardage, c'est fini. Et je tiens à vous rassurer, j'aime pas le bricolage. Je vais me rassurer. Je ne veux pas encore vous dire, mais je vais travailler en off. Si je rends compte avec les partenaires les plus crédibles au pays, si je me rends compte, pas des bluffeurs, de ceux, parce que je connais beaucoup de fanfarons, mais je vais travailler dans ce sens-là. Si j'arrive à trouver, évidemment, que cette piste réfléchie peut donner, je communiquerai dessus. On va travailler. Il faut la fondre. On assume toutes les conséquences. Et nous allons aider ces Camerounais. Nous allons travailler dans ce sens-là. Et ça, je vous le promets. Ça va être mon travail, effectivement. Maintenant, je ne vais pas trop communiquer dessus par après. Mais je vous rassure que l'opération 1000 Camerounais, je vais travailler dans ce sens-là pour libérer Maurice Kamto. Parce que trop, c'est trop. Je pense qu'il faut engager une véritable bataille. C'est le peuple, finalement. L'heure des discours, on a trop toléré ces gens, on a prêché l'amour, etc. Et tout. Maintenant, s'il faut qu'on nous liquide, on va nous liquider et nous allons travailler. Et je connais les Camerounais braves. Donc, j'appelle tous mes thugs, tous mes voyous du pays, de me contacter une boxe. On va travailler dans ce sens-là. Trop, c'est trop. Voilà. Les services de secret ne marchent, ne donnent pas d'un caractère. Et on va faire action spontanée. Pas de date. Action spontanée. On va réussir ça. On ne peut pas défier le peuple. Jamais. Nous allons le démontrer. À force. Comme tout doit être dû avant le 6 décembre. C'est clair et net. Portez-vous bien et bonne soirée. Donc, je faisais ma sortie pour dire, peuple, ne comptons plus sur les artistes. Restons silencieux. Oublions ces artistes-là. Maintenant, nous allons travailler pour nous-mêmes. On n'a pas besoin de 25 millions de Camerounais. Moi, j'ai dit opération 1000. 1000, ça suffit. On va faire de manière spontanée pour libérer le président Maurice Kamto. Et ça va se faire. Tenez-vous compte, ça va se faire. Donc, tous ceux qui estiment que c'est un projet qui le porte, n'hésitez pas de me contacter bon, et d'apporter tous les éléments et tout ça pour qu'on chapeaute ce projet-là. Parce que l'heure du bavardage est finie, finalement, pour moi. Je pense qu'il faut, finalement, poser les actions face à ce régime-là. Trop, c'est trop. Merci. Non, même s'il y a des soulas au pays, je réponds à quelqu'un là. Même s'il y a des soulas, il y a n'importe quoi, je réponds. Même s'il y a des soulas, tous les Camerounais ne sont pas des soulas. Tous les Camerounais. Je tiens à vous rappeler, tous les Camerounais ne sont pas de ceux-là. J'ai une expérience, peut-être beaucoup ne le savent pas. Les archivistes un jour sortiront cette vidéo, peut-être. Le 25 février 2000, c'était 2010 ou bien 2011. Oui, quand Paul Biya, c'était lorsque le printemps arabe est lancé. Nous avons lancé un mouvement pour le cas du Cameroun. Il y avait les Bois-Massor, les Karola, etc. Tout. Le PURS, moi j'étais le chargé des relations publiques, le porte-parole du PURS à l'époque. On a lancé un mouvement. On a travaillé à ces stratégies tous ensemble. Mais je n'étais pas très d'accord de la stratégie parce que j'estimais que dans la réunion, j'avais vu des personnes que je ne donnais pas beaucoup de crédibilité, qui travaillaient, qui étaient des indiques, en fait qui se font passer des opposants, mais qui sont des indiques. Moi je les avais identifiés dans la salle. Et en tant que porte-parole du plan, m'a demandé de me prononcer. Moi, j'avais répondu à cette réunion que, vraiment, moi, je sais que par essence, la stratégie est secrète. Il y a des choses que je ne pourrais pas communiquer ici. Mais pour le cas de la mobilisation pour le départ de Paul Biya,
je vais organiser les troupes, etc. Je tiens à vous rappeler que ce jour, les Mbwamasoko ont été interceptés. Mbwamasoko avait fui, allé se réfugier chez le cardinal Christian Tchoumi. Kawala, elle avait organisé son truc, c'était à Commando. Elle a été arrêtée à Commando avec tous ses gars, ça n'avait pas marché. Et l'honorable Ninche allait à la salle de fête d'Akwa, il a été arrosé là-bas par la police. Le seul coin qui avait réussi, c'était mon coin, c'était ma stratégie. Pourquoi? J'avais tellement organisé cette histoire que j'ai communiqué. En fait, les personnes que j'estimais être crédibles, j'ai envoyé à minuit le lieu de la rencontre, retrouvailles, retrouvaille, comment on pouvait s'identifier et tout, et tout, et tout. Et c'était le seul endroit, la vidéo existe. C'était le seul endroit qui avait réussi. Je me rappelle que ce jour, quand on chasse des Kawala, elle réussit à m'appeler. Ses proches collaborateurs. C'était une Jiffen qui m'appelle, qui me demande où est-ce que c'est comment. Je dis non, je suis dans tel endroit. Ils sont venus. C'est comme ça que Kawala réussit le coup. Parce qu'elle est venue. Qu'est-ce que je dis? Mais ouais, moi je n'ai pas donné la stratégie. Je ne l'avais pas dit. Parce qu'il faut comprendre aussi le fonctionnement. Et c'était le seul coup qui avait réussi. Et l'endroit où j'avais manifesté, la police n'était pas mobilisée. Or, les lieux qu'on avait communiqué Bonanjo, ils avaient communiqué Bonanjo. Salle de fête d'Akwa, Commando, la police avait envahi à la veille tous ces endroits-là. On avait mobilisé toute la police pour que les opposants ne viennent pas. Mais ce jour, comme moi je savais qu'ils avaient des informations, parce que dans la salle, j'estimais qu'il y avait des personnes qui se présentaient, parce qu'il y a certaines personnes qui parlent beaucoup, ils vous ramènent dans n'importe quoi. Il y a des petits indices, comment on peut les identifier, ces opposants-là, qui travaille avec le régime. Mais le même soit le régime, est au coin. Mais le seul endroit où ça avait réussi, c'était le lieu. La vidéo existe sur Internet. Les archives, de manifestation à Douala du 25 février 2010 ou bien 2011, un truc comme ça, vous pouvez trouver. C'est le seul endroit qui avait réussi. Il n'y avait même pas la police là-bas. On a réussi à bloquer la route. Et tous mes thugs, tous mes voyous, tous, ils étaient là. À un moment, quand j'ai vu la police venir, le rapport de force, moi j'ai dit à mes thugs, gars, reculez, vous partez. Je ne veux pas qu'on vous prenne gratuitement. Partez, partez. Moi, je suis resté pour défendre Kawala, parce que je me rappelle ce jour, on veut arrêter Kawala, mais dans le commun, j'arrête. Je dis jamais, vous n'embarquez pas, vous ne l'amenez pas. Et ça fait tiralement, tout et tout. Les gens se mobilisent au quartier, les gens commencent à crier. Donc, c'est possible, mes frères. Et je vous assure, je n'avais pas de crainte. Et moi, ceux qui me connaissent, le savent, quand il s'agit des questions de justice, moi, Stéphane Tchoumou, rien ne m'effraie. Quand je sais que je lutte pour une cause, non, rien ne m'effraie. Mais quand je suis dans l'erreur, vraiment, je fais profil bas. Si je remarque que j'ai offensé ou bien que je suis dans l'erreur, pour moi, je fais profil bas. Ça, les gens qui me connaissent le savent. Donc, ce jour, je vous assure, j'étais tellement investi. Je ne sais pas ce qui m'avait investi, mais j'étais investi d'un courage incroyable. Incroyable. Et quand Wallon venait l'embarquer, les gars ne l'ont pas embarqué. Ils ont laissé parce que j'avais arrêté. Ils disaient, ne monte pas dans votre car pour partir. Qu'est-ce que le commissaire fait? Le commissaire, il dit, ok, monsieur, calmez-vous. On nous tire et le commissaire demande. Bon, à l'époque, peut-être encore très. Elle était lucide, hein? Je ne sais pas trop. Je ne vais pas entrer trop dans des polémiques parce qu'aujourd'hui, sa cohérence me dérange un peu. Qu'est-ce que le commissaire demande? Il se rend compte que s'il insiste à embarquer Kawala, ça va mobiliser davantage. Parce que les gars venaient au quartier et tout ça, les gars venaient, machin. Non, ils ne montent pas. Et moi, j'arrête qu'elle ne monte pas. Qu'est-ce qui se passe donc? Le gars dit, ok, on va les laisser, mais avant de les laisser, il faut qu'on les arrose. Il fait signe au truc, ce qu'on appelle communément Mami Wata, les cas anti-émeutes là. Il demande de nous arroser. Moi, je vois le signe. Et il fait comme s'il discute avec nous. Il me demande d'avancer. Le commissaire, hein, c'était le commissaire central, je n'ai plus le nom de l'époque. Il demande non, avancer en cause. Il dit non, mais monsieur, calmez-vous, madame Kawala, calmez-vous, vraiment, ça va ranger tout et tout et tout et tout. Et lui, il avait fait signe, moi j'avais vu ça. Donc, dès qu'il arrive donc, devant le camion, il fait comme s'il discutait avec nous, mais il avait fait signe à ses gars de nous arroser. Et le gars dont le commissaire, comme il a donné la peine, mais lui, il faut qu'il s'écarte. Et moi, j'avais compris, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai attrapé. Ça nous a arrosé tous. Lui, il a fui l'entrée à la station totale. Quand là, moi, nous sommes entrés ailleurs et après, nous sommes retrouvés, on nous a amené à la clinique, mon âme. Après être arrosé. Mais lui aussi, il a goûté de cette eau. Je l'avais arrêté. Et mais monsieur, j'ai dit non, je l'avais arrêté parce que moi j'avais vu le signe. Et je suis vivant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous portez vos convictions, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur.
pour vos convictions. Donc, peuple, je vous donne cette anecdote pour vous faire comprendre qu'à un moment, ne vous laissez plus imbéciliser. Vous n'avez pas besoin de tous ces gens. Il s'agit d'une cause patriotique. Donc, portez-vous bien. Je pense que j'ai été long, mais c'était important. C'était important de faire cette sortie, de dire finalement qu'il ne faut pas compter sur ces artistes. C'est de la roubladise, la sortie des artistes. C'est du deal qu'ils ont organisé. Ils viennent nous narguer. Et c'est indigne de leur part de profiter des souffrances et des pleurs et des larmes des familles pour organiser vraiment cette grosse mascarade, cette roubladise à l'encontre du peuple. Donc, nous devons tirer les conséquences. Ils deviennent finalement les ennemis du peuple camerounais. Ils ne travaillent pas pour nous. Ils ne travailleront jamais pour nous. Nous devons nous prendre en charge. Et pour le projet, nous allons travailler pour que le projet 1000 personnes pour libérer Maurice Kamto soit effectif. Donc, sur ce, portez-vous bien. Bon début de semaine. Donc, nous reviendrons avec des autres informations. Je vous rassure que je vais travailler sur ce projet. Ne vous inquiétez pas. Si je vois que ça peut être effectif, donc je vais faire une étude de faisabilité, je vais contacter mes contacts que j'ai sur le terrain et discuter. Si je vois que tous les paramètres peuvent donner pour ça, on va lancer le mouvement et ça va se faire. Ne vous dérangez pas. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'aime pas le bricolage et j'aime pas bluffer le peuple. J'évite. C'est pour ça que je préfère ne pas me prononcer sur certaines actions. Mais je pense qu'à l'heure aujourd'hui, il faut cesser avec le bavardage, aller vers les options. Et c'est pour ça que je me suis décidé de me prêter à cette démarche-là pour qu'on puisse aider les Camerounais dans ce sens-là. Donc nous allons travailler. Je vais faire une étude de faisabilité. Je vais travailler dans ce sens-là. Je vais faire un travail de casting, déjà les hommes qui porteront, parce qu'il y a trop de bluffeurs. Voilà, il y a trop de bluffeurs. Donc, ceux qui ont des propositions, n'hésitez pas à me contacter en inbox pour que ce soit effectif. Ce n'est pas une opération, on ne va payer personne pour sortir. Ça, je peux vous garantir. Et vous allez voir les gens se mobiliser. Je pense que nous avons la ressource humaine. Il faut juste canaliser et expliquer les choses et mieux les organiser. Bonne soirée à vous. Portez-vous bien.